Bonjour à tous, nous allons réaliser un appareil à souffler salé. Pour cela, il vous faudra 200 g de sauce Mornay et 125 g de blanc monté, une calotte et une marise. Je vais porter donc dans ma calotte ma sauce Mornay. Et je vais prélever une petite quantité du blanc monté. Cette étape consiste à détendre ma sauce Mornay, à la lisser. Il faut que je veille que ces blancs, même s'ils sont cassés, liquéfient légèrement ma sauce Mornay et la lisser afin qu'il n'y ait plus de grumeaux ensuite dans mon appareil à souffler. Cet appareil doit donc être parfaitement lisse. Je vais ensuite y rajouter l'ensemble de mon blanc d'œuf. Et je vais l'incorporer à l'aide de la marise du centre de ma calotte vers l'extérieur en faisant pivoter avec ma main gauche ma calotte. On a donc une double rotation. Je pars toujours du centre de la calotte vers l'extérieur en faisant pivoter. Je dois veiller à ne pas casser ma masse et de la garder très, très aérienne, très aérée. Je vais pouvoir farcir des crêpes par exemple, que ce soit un soufflet salé, par exemple garni de champignons, etc.